Allez les amis, on se retrouve comme promis sur la vidéo du Roi Lion. Nous essayons notre deuxième jeu. J'espère que tous ceux qui m'ont vu, ceux qui avaient apprécié mes vidéos précédentes, qui ont aimé, qui ont bien aimé, eh bien on est de retour les amis, on est de retour. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur le premier jeu Hercule, que j'ai fait plusieurs vidéos. Donc ça c'est... On fait le Roi Lion. Voilà, la formidable aventure de Simba. Alors, on va regarder un peu le menu principal. Rafiki. Qu'est-ce que ça donne ça? Chasse trésor. Ok, ouais, ça c'est le mini-jeu. Bon là, toujours, on va essayer de faire aussi les niveaux. Enfin, tout à 100%, quoi. On va essayer. Allez, c'est parti. Commencer une partie. Chargement en cours. Il va y avoir une cinématique. Rocher du lion, il vous faut 100 points pour finir le niveau. Ok, bon, le thème est tout prendre. C'est parti. Rafiki, je sais pas pour ceux qui connaissent bien le dessin animé. Bon, moi, c'est un dessin animé étant petit, j'ai adoré. Je l'ai vu en boucle et en boucle. Je connaissais même les répliques par cœur. Je trouve là, j'ai entendu Rafiki, il a la même voix que dans le dessin animé normalement. Ils ont pris des voix françaises, des voix originales du singe. Ah, voyez, Zazu a récupéré sa voix. Ils connaissent les Zazu. Ok, on va prendre une pièce. Oh, un graphisme. Ça va, c'est pas ce que... Simba. Faut y aller jusqu'à 100 points. Ouais, ça va aller vite. Ah, ça n'a plus rond, ça fait rugir. Son petit cri. Comme quand il crie dans la vallée. Oups. Oh, ouch. Ah, pas de lui. Je vois une ombre. Oh. Pour devenir un grand roi, tu dois apprendre à maîtriser le saut. En pressant le bouton saut, tu atteindras un niveau plus élevé. Pour sauter encore plus haut, prends de l'élan. Merci Lala, t'es vraiment bien, je lui donne. Alors, par contre, Nala et Simba, c'est pas du tout la voix française, hein, du dessin animé, du Walt Disney. C'est pas leur vraie voix, quoi. Zazu, oui, Rafiki, oui, mais là, Simba et... Ouais, c'est dommage. Oh là là. C'est un peu bizarre les commandes. Ah ben il va y avoir des lettres, comme dans Hercule. Oh, ça m'a attaqué. Bien sûr. Hop. Ah, ça c'est sympa. Le gameplay est bon. Là, bon, par contre, pour diriger, c'est un peu chelou, quoi. Tu vas pas tomber. J'ai 4 vies. Oh là. Hop.
Je l'avais fait lui quand j'étais petit aussi, pareil ce jeu. Ouais, que je galère. Eh ben. Ah. Non, j'ai pas trop de souvenirs de celui-là. Arc Louis. Ah, un fruit. Ah, ça me fait penser au fruit qu'il y avait dans Tarzan. Je sais pas si vous l'avez connu sur PlayStation, Tarzan. PlayStation 1, ouais. Ça me faisait penser au fruit. Pour te protéger, Simba, tu dois apprendre à agir. Appuie sur le bouton rugissement pour effrayer tes ennemis. Un jour, tu seras un grand roi, Simba. Merci, papa. Y a-t-il rugir, toi. Non, non, non. Jamais. Alors les voix de Mufasa, c'est pas du tout ça, hein. C'est incarné déjà, enfin la voix était déjà Jean Reno. Et ben putain, c'était Jean Reno, là, c'est pas du tout la voix de Jean Reno. Hein. Oh là 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 là. Et ben. Faudrait qu'elle vienne vers moi. Oh là là, possible. Ah, j'ai le lit. Ah, Zazu. Oh là. Allez, fais un tour complet. Allez. Ah, j'ai eu 5 vies. Petit scarabée. Une sorte de scarabée, je crois. Oula, oula. Je vais tomber. Ah, il y a le M là. Ah, c'est moins. Oh, le scar. Ah, il fait des trucs chelous avec sa tête. Non, lui aussi, il a pas du tout la voix. Non, il a pas du tout la voix. Il a pas du tout la voix du dessin animé. On remarque qu'il y a que Zazu alors qu'il a pour l'instant. Zazu et Rafiki, je trouve. Après, peut-être parce que c'est la cinématique, ils ont mis des vraies voix et peut-être dans le jeu, ils ont... Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu entendre la voix de Jean Reno. Je monte quoi, le rocher du nord. Tiens, le deuxième fruit. Ça me redonne de la vie, ça, j'en sais rien. Oh, les souris. Ah oui, pour ceux qui ont vu le dessin animé, vous savez ce qui va se passer avec la souris Scar. On marque, il n'y a rien de... Tu peux attaquer tes ennemis en te jetant sur eux. Pour te jeter sur eux. Oui, il fait ça avec la tête, lui. Merci, oncle Scar. Elle est où, la petite souris? Hop là. Ah, ça, 50. Si tu sautes sur une falaise et que tu te cramponnes au bord, tu peux te hisser en appuyant sur le bouton saut. Merci, Lala. Très vite. Le B. Il manque une lettre. Oh, j'ai pas trouvé que c'était difficile à trouver là, si on remarque peut-être parce que c'est le premier niveau. Je l'ai eu la bestiole là? Ouais. Alors lui il fait les points de contrôle, ok. Oula oula oula. J'ai eu deux. La double, j'ai fait la double.
Ouais, je les ai tous eus. J'ai 8 vies. Ah, bah à mon avis, j'ai fini le niveau. Bon, bah, premier niveau terminé, les amis. Hein. On va partir sur une deuxième vidéo. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller. Moi, je croyais que les rois faisaient ce qu'ils voulaient. Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir. Non, c'est vrai? Oui, mon fils. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rentre à l'antilope qui nourrit. Mais les lions mangent les antilopes? Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Bon, voilà, premier niveau terminé, les amis. On se dit sur une autre vidéo. On va faire récapitule, 500 points pièce, niveau déverrouillé, 2 fruits. Tu as gagné un tour gratuit, point des jeux, bonus à Rafiki. Ah, le mini-jeu. Toutes les lettres. Signé débloqué. À 100% de la terminale. Je vais sauvegarder. Et je vous dis, les amis, à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Hein, me dites vos impressions, si vous avez aimé ou pas. Et on reprendra, on fera le bonus. Et on repartira sur mon histoire. Voilà. Allez, les amis, à la prochaine vidéo.